Est-ce que vous comprenez? Mais moi, je te présente une identité. Il n'y a pas de loterie là-dedans. Alléluia. Amen. Cette loterie-là, alléluia, nous, on ne la connaît pas. Nous, Dieu nous choisit par grâce. Il met sa main sur nous par grâce. Alléluia. Mais quand il te fait la grâce, il faut te comporter comme un gracieux. Amen. Parce qu'une chose est d'être en Christ. Alléluia. Mais une autre chose, alléluia, c'est de t'attacher à cette identité. Mais cette identité, il faut savoir qu'elle est éprouvée tous les jours. Donc pour cela, tu dois te revêtir, amen, de la prière quotidienne. Réveille-toi. Souvent, on a des épreuves. Des épreuves, alléluia, amen. Tu te demandes même si tu peux t'en sortir. Est-ce que quelqu'un est là? Mais parce que, amen, tu as une vie de prière, tu arrives à résister. Est-ce qu'il est là? Pourquoi? Ça l'amène, c'est s'attacher à son identité. Amen. Parce que celui qui vient t'attaquer, amen, il vient avec son identité. Son identité de faiseur de mal. Parce qu'il faut que vous sachiez une chose. Il y a des gens qui en veulent à ta peau. Attendez, le sorcier là, soyez ami, mais il t'attend au tournant. Alléluia. Le diable, tu rentres dans une entreprise, tu rentres quelque part, mais il veut ta peau. Donc tu dois prendre ta carte d'identité jusqu'au bout. Ta carte d'identité de Christ. Je vous ai dit une chose. Ce n'est pas ce que vous voyez maintenant qui est intéressant. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Il y a une nouvelle vie. La nouvelle Jérusalem. Ça sera plus intéressant que ce que vous voyez. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Parce que dans ce nouveau pays-là, alléluia, là-bas, il n'y a pas maladie. Il n'y a pas aide, il n'y a pas facture de courant à payer. Pourquoi? Parce que la gloire de l'éternel Dieu éclaire ce lieu-là. Vous devez comprendre une chose de l'identité que vous avez à même. Si vous voulez aller dans la vie éternelle, il faut vous attacher à ça. Est-ce qu'on est là? Mais d'abord, tu dois comprendre que c'est spirituel. C'est pour cela qu'on va te demander de jeûner. On va te demander d'avoir